Coucou les filles, ben, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Comme vous voyez, j'ai quelques produits à vous présenter. Je préfère vous la faire tout de suite que refaire une vidéo que je découpe en 3 ou 4 parties. Donc je vous la fais maintenant et je vous dis bien sûr rapidement ce que je pense des produits. Et comme d'habitude, ce n'est pas classé dans l'ordre. Voilà, donc on y va. Le premier produit, c'est un gel douche donc de chez Corinne de Farm. Le douche soin camélia sur gras, donc sans savon, sans parabènes. Et qui contient 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, 750 ml. Vous l'avez déjà vu dans mon ancienne vidéo sur mes produits terminés, puisque j'en avais acheté deux, je crois que c'était par l'eau de deux, pendant les promos Leclerc. Donc, on a terminé le deuxième, hein, puisque toute la famille s'en sert. Comme je vous l'ai dit, et comme je vous le redis, j'adore ce gel douche. C'est un très très bon gel douche, qui est sans savon, qui est vraiment super agréable, qui a une super odeur, qui est la super bien, qui laisse la peau super hydratée. Bref, super gel douche, grand format, pas cher, très très bon gel douche que je rachèterai sûr et certain. Alors, autre produit, alors bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, vous excusez l'aspect des produits, hein, voilà. Donc, c'est le gel intime, gel sur gras toilette intime de chez Cadom, donc qui est sans parabènes. C'est un gel intime bio, donc au cranberry, huile d'amande douce, beurre de karité équitable. Voilà, 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 qui se présente comme ça. Voilà, qui fait 200 ml. Donc, c'est vraiment un très, 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 très bon gel intime. Franchement, il n'a rien à envier par exemple, qu'on peut retrouver en pharmacie. Je pense notamment au Roger Cavaillès, que j'aime bien, hein, que j'achète, mais que j'achète que quand il est en promo, mais que j'aime beaucoup. Et il n'a rien à lui envier. C'est un très, 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 très bon gel intime, vraiment, que je vous conseille. Et oui, je pense que je rachèterai. En ce moment, je teste celui de chez Corinne de Farm, et je vous en reparlerai. Mais vraiment, très, très bon gel douche. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Autre produit terminé, c'est un produit de chez Yves Rocher, c'est le gel gommant exfoliant à la mûre sauvage qui fait 200 ml. Voilà celui-ci, alors que moi j'ai adoré. Alors je sais, et notamment je pense à toi Tiffaine en disant ça, que certaines d'entre vous trouvaient qu'il avait une odeur de plastique. Oui, il me semble que c'est ça, oui, de plastique. Mais alors moi, pas du tout. Alors mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je trouvais qu'il sentait super bon. Je l'ai adoré. C'est un gel douche gommant, donc les grains sont vraiment... Il y a très très peu de grains. Hein. Il n'y a pas énormément, énormément de grains à l'intérieur. Les grains sont de taille. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à les voir là. Oui, là, peut-être comme ça. Vous voyez, ce sont des petits grains comme ça. Et enfin, plutôt de taille moyenne quand même. Et il est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et vraiment, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai trouvé que... bon, après le gommage, je ne peux pas vous dire si vraiment... ouais, comme peut-être comme c'est un gel douche. C'est un gel, c'est pas un lait, quoi, enfin, une crème douche. C'est vrai que avec les petits grains à l'intérieur, ça permet d'avoir la peau beaucoup plus douce qu'avec un gel simplement. Un gel douche, voilà. C'est sûr qu'avec une crème de douche, on a la peau plus douce, plus mieux hydratée. Et avec ce goma, avec le fait qu'il y ait des petits gommages à l'intérieur, ça permet quand même d'avoir la peau plus douce qu'avec un gel douche basique. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et oui, 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 je rachèterai. Je pense me refaire une commande chez Yves Rocher à la fin du mois. Oui, je rachèterai. J'ai adoré, adoré. Alors, j'ai terminé un masque de chez Beauty Treats. Donc, au concombre. Donc, au concombre. Voilà. Qui se présente comme ça, alors qu'il n'est pas vert, hein, qu'il est invisible, hein. Je sais pas pourquoi ils le mettent vert, en vrai il est invisible. Alors,
Ouais, franchement, il est pas mal. Il est pas mal. C'est un masque qui coûte pas très cher, que j'achète généralement quand je passe des commandes chez Beauty Joint. J'en achète un ou deux. Il y en a plusieurs, de plusieurs sortes. Et oui, j'ai bien aimé. Généralement, j'en achète toujours quelques-uns. Voilà. J'aime bien. C'est pratique. Je l'aime bien. Donc oui, je pense que je rachèterai. Mais bon, après, c'est un masque. Enfin, moi, je trouve il y a des meilleurs. Il y a meilleur comme masque. Hein, mais c'est un masque qui est pas mal du tout. Pour le prix, il est vraiment pas très cher. Alors, j'ai terminé donc des lingettes démaquillantes de chez Démakeup, donc sans parabènes, donc au lait démaquillant et aux extraits de coton, peau normale ou mixte. Voilà. Ce paquet-là. Alors, moi, je n'utilise pas de lingettes démaquillantes, enfin pour me démaquiller en tout cas le visage. Je les utilise ben, soit pour enlever les swatchs, ou alors, bizarrement, quand je ne me maquille pas, si je ne me maquille pas de la journée, j'aime bien, avant de me laver le visage ou quoi que ce soit, me passer une lingette démaquillante. C'est vraiment que dans ma tête, mais j'ai l'impression que ça enlève, enfin que ça nettoie, je sais pas, de la pollution, enfin peut-être pas du tout, hein, mais c'est dans ma tête, j'aime bien, voilà. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, que je fais toujours. Donc j'achète toujours des lingettes démaquillantes et celle-ci, non, je ne les rachèterai pas parce que, en tout cas, quand je me maquillais pas simplement pour le passer sur le visage, j'ai pas du tout aimé douceur coton ou. Je ne sais pas, spécialement, j'ai pas retrouvé la douceur du coton et je n'ai pas du tout aimé. Et donc, non, je ne rachèterai pas. Et honnêtement, je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui aiment, mais pour celles qui n'ont jamais testé, je ne vous les conseille pas, quoi. Parce que, franchement. Alors, j'ai terminé des petites lingettes comme ça de la marque Sample, qui est une marque anglaise. Qu'une abonnée avait eu la gentillesse de m'envoyer, Yasmine, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, donc qui m'avait envoyé ces petites lingettes, et vraiment, je les ai bien aimées. J'ai bien aimé, alors il n'y a pas de... C'est avec des vitamines, et que je vous dise pas de bêtises, donc c'est pour les peaux sensibles. Alors, je ne sais pas s'il y a non, il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas de parfum, voilà, il n'y a pas d'ingrédients chimiques plus ou moins. Et voilà, et je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appréciés. Et si je trouve un site qui les fait, oui, je reprendrai un grand format, parce que là, il n'y en avait que 7. Mais très, très bonne lingette, très épaisse, enfin bien, bien épaisse, qui effectivement, ils disent que ça enlève le maquillage waterproof, et effectivement, ça l'enlève. Très bonne lingette, très contente de ces lingettes. Oui, si je retombe dessus sur un site, je rachèterai. J'ai terminé donc ma crème bienfaisante peau mixte à grasse de chez Garnier, crème sorbet hydratante 24 heures. Voilà la verte. Donc, je vous en avais déjà parlé, c'est une crème que j'ai bien aimée. Alors, elle est censée donc matifier la peau. Donc, moi spécialement, je l'avais pas du tout trouvée matifiante, mais je l'avais adorée en tant que crème hydratante parce qu'elle hydratait super, super bien la peau. C'est une très, très bonne crème hydratante. Après, elle ne rend pas la peau plus grasse, hein, rien, pas du tout, mais en tout cas, elle ne la matifie pas. Et je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Et oui, je pourrais être amenée à la racheter. Là, j'ai quelques crèmes de jour à tester, donc pas maintenant, mais oui, je pourrais la racheter très facilement. Très, très, très bonne crème hydratante. Et j'ai terminé aussi donc la crème contour des yeux, donc à l'aloe vera et à l'huile d'argan bio des cosmétiques donc de chez Carrefour, donc avec des ingrédients naturels. Cette petite crème-là. Comment vous dire que j'ai adoré, je l'ai adoré, adoré, adoré. Super crème hydratante, vraiment. Alors, elle n'a pas un effet lissant, compagnie, et tout ce que vous voulez, tout ce que soi-disant les autres crèmes font, elles lissent, elles enlèvent des ridules, le bidule truc, machin. Non, ça, non. Par contre, au niveau de l'hydratation du contour de l'œil, à part mon huile d'avocat, voilà, j'ai pas trouvé d'autres crèmes qui hydrataient aussi bien. Moi, je m'en servais en crème pour le soir. Et vraiment, je l'ai adoré. Et oui, je la rachèterai. Voilà, là, j'en ai plus. Je pense
Dès que je vais aller à Carrefour ce week-end, je pense me la racheter. En attendant, j'utilise mon huile d'avocat, mais oui, je la rachète. Elle est géniale. Et je pense pas que. Peut-être que j'en testerai d'autres. D'autres, d'ailleurs, si vous en avez d'autres que vous connaissez, que vous aimez bien et qui sont vraiment bien, mais pas chers, hein, vous me connaissez, dites-moi le nom en commentaire. Mais en attendant, celle-ci me convient parfaitement et je la rachèterai. Pour l'instant, c'est celle que j'aime. Alors, j'ai terminé un petit échantillon de 30 ml de chez Caudalie, l'eau micellaire démaquillante, eau de raisin bio et camomille. Voilà. Cette l'eau démaquillante, l'eau micellaire, donc qui n'a pas de parabène, pas de phénoxéthanol, pas de phtalate, pas d'huile minérale, pas de sodium Lorenz, pas de sulfate et ingrédients d'origine pas d'ingrédients d'origine animale. Ce truc est une tuerie. Cette eau micellaire est super bien. C'est vraiment une tuerie de chez tuerie. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai trouvé que d'habitude, des petits échantillons de 30 minutes me font longtemps, là, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé qu'elle est partie super vite. Mais je l'ai adorée, vraiment, elle est super rafraîchissante, elle démaquille très bien, très 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 bien. Je l'adore et elle coûte un peu cher, plus cher normalement que ce que j'achète habituellement. Mais franchement, elle vaut le coup et oui, je pense la racheter. Vraiment, je pense la racheter parce que je l'aime énormément et je la rachèterai, c'est sûr. Alors, je n'ai pas terminé, mais je voulais vous en parler aussi. Donc, ma fille a terminé donc la crème, ma super crème magique de chez Phytospécifique pour les cheveux frisés et crépus. Donc, 95% des cheveux nourris et hydratés. Alors, 98% d'origine végétale et naturelle. Donc, que je vous dise pas de bêtises. Donc, c'est à l'huile de yaourt, aux trois fleurs, au miel et au karité. Alors, j'ai vraiment super super crème pour les cheveux naturels. Vraiment les cheveux de ma fille étaient vraiment vraiment très très bien avec ça. Elle démêle très très bien les cheveux. Et en plus, je trouve que l'hydratation reste vraiment une crème qui est assez épaisse, qui a un peu de mal qu'on la passe dans les cheveux à disparaître. Il faut attendre un petit peu. En tout cas, il faut bien masser les cheveux. Mais au niveau de l'hydratation, je l'ai adorée pour ma fille. Et je pense peut-être me la racheter pour qu'on l'utilise tous les deux. Toutes les deux. Mais très très bon. Très très bon produit. Vraiment très bon produit. J'essaye de faire dans l'ordre, hein, je sais pas si vous voyez. J'ai terminé donc le masque tradition de Hammam à l'huile d'argan bio du Maroc. Donc c'est un masque à l'argile marocaine pour le visage et les cheveux, que moi je n'utilisais que pour le visage. Donc c'est à l'huile d'argan bio. Voilà, celui-ci de chez... pardon, je vous montre mal. Celui-ci donc de chez Yves Rocher. Qui était un très 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 bon masque, vraiment moi je l'avais eu en cadeau, hein. Je l'avais pris en cadeau, très bon masque, voilà, j'étais son travail de masque, hein. Et en tout cas il était très agréable, il avait une texture, oh, c'est un peu dégoûtant, je vais pas vous montrer, mais il avait une texture un peu chocolatée, vous voyez, donc c'est vrai que c'était très agréable, mais non je rachèterai pas, parce que pour le prix de ce masque, il y a d'autres masques qui font tout aussi bien le travail, donc pour le prix, non, je rachèterai pas. Mais c'est un bon masque. Si on me le réoffre chez Yves Rocher en cadeau, oui, je le reprendrai. Mais sinon, de mon propre argent, non, je ne rachète pas. Alors, j'ai terminé. Alors, j'ai pas vraiment terminé, mais vraiment pour ce qui reste. Comme ça, je n'aurai pas à vous le remontrer la prochaine fois. Donc, c'est l'eau parfumée, donc la brume parfumée de chez Bath & Body Works, pardon, la Sea Island Coton. Voilà, une brume parfumée que j'adore, qui est une odeur, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de cette eau, hein, qui sent le propre, enfin ce qu'on appelle le propre, entre guillemets, hein, vous voyez ce que je veux dire. J'adore ce produit, et oui, je rachèterai en grand format. Je garderai la petite bouteille, parce que ma fille et moi, ma fille aussi l'a beaucoup, beaucoup appréciée, donc je garderai la petite bouteille, je lui remplirai, et puis moi, je garderai la grande bouteille, mais c'est un super produit. Et si vous avez envie de tester une senteur de chez Bath & Body Works, et vous n'avez pas trop laquelle choisir, moi en tout cas, je peux vous conseiller
essayer celle-ci. Je pense que vous allez beaucoup, beaucoup apprécier. C'est une odeur hyper, ultra fraîche, quoi. Vraiment très, 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 très bon produit. J'ai terminé, les filles, enfin. Donc, ma bébé crème de chez ELF SPF 20. Voilà, que j'ai, que moi, j'ai vu dans la couleur dark. Voilà, cette bébé crème que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Les premiers mois, je l'ai utilisée. Et puis, après, au bout d'un moment, bon, ben voilà, on s'habitue au produit. Et puis, j'ai testé une autre bébé crème que j'ai beaucoup, beaucoup, comment dire, mieux apprécié. Donc c'est une bonne bébé crème. Déjà le SPF 20 est vraiment génial. Moi je l'ai porté l'été et c'est une très très bonne bébé crème. Il faut la poudrer parce que quand on a la peau mixte comme moi, si vous avez peau mixte comme moi, il faut la poudrer parce que sinon elle est un petit peu, elle est pas grasse, hein. C'est parce que elle est très très lumineuse, donc si on a la peau grasse, ça peut paraître un peu gras, quoi. Mais il faut la poudrer, ça c'est sûr. Mais c'est un très très bon produit que je ne rachèterai pas pour l'instant, mais que je pourrais être amenée à racheter. Pour moi, c'est une bébé crème de sécurité, c'est-à-dire que je sais que chez ELF il y a cette bébé crème qui me va et avec qui me va aussi bien au niveau de la couleur, au niveau aussi de l'effet qu'elle fait. Je sais que ça existe, donc c'est vraiment une bébé crème de sécurité. Mais j'ai envie de tester d'autres bébé crèmes, donc je ne pense pas la racheter cette année en tout cas, ou alors la racheter et la garder en réserve. Mais c'est un très très bon produit, en tout cas que moi que j'ai beaucoup apprécié. J'ai terminé aussi donc le Maximum Coverage Concealer de chez ELF, donc sans huile, oil free. Voilà celui-ci que, oh pardon, que moi j'avais dans la couleur allemande. Alors c'est un super concealer. Je sais pas s'il en reste pour vous montrer un peu. Je vais voir. Ah oui, parce que je les ai tous jusqu'à la mort. Ah, je les ai. J'ai appuyé sur le tube pour tout sortir. Donc voilà comment il se présente. C'est un concealer qui est très, 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 très couvrant. C'est le, en tout cas pour l'instant, le concealer le plus couvrant que j'avais, quoi. Vraiment ultra couvrant. Et je sais qu'il y a même certaines filles qui l'utilisent en tant que fond de teint. Bon, j'aurais bien aimé, mais malheureusement, la couleur est beaucoup trop claire, hein, pour l'utiliser sur l'ensemble de mon visage. Sous les yeux, oui, ça va, parce que ça illumine le regard, mais au niveau du visage, non. Mais c'est un très très bon concealer. Vraiment très bon concealer. Et j'ai plein de concealers à tester, mais je pense quand même me le racheter et me le mettre en réserve parce que je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. J'attends un petit peu, si vous voulez, pour voir s'ils vont sortir d'autres couleurs, une couleur un peu plus foncée. Mais oui, je pense que quand même je vais le racheter parce que ça reste un de mes concealers quand même préférés. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il éclaire très, très bien. Il se travaille très, très bien. Il file pas dans les plis. Très, très bon produit. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai terminé aussi, donc pareil, donc c'est, ah, elle est pleine de calcaire, je suis désolée les filles pour l'aspect du produit, de chez aussi, donc c'est le Miracle Moist Shampoo, voilà, qui est quoi? Bon bref, je vous le montre. Bon, je pense que vous avez déjà entendu parler. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours Yasmine, mon abonné, qui me l'avait envoyé pour que je puisse le tester. Et je l'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai déjà terminé l'après-shampoing, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, je crois. Je l'ai beaucoup apprécié, c'était un très bon shampoing. Après tout ce qu'on entend sur la marque aussi, enfin, moi j'ai du mal avec les shampoings, honnêtement, j'ai beaucoup de mal. Je n'ai encore jamais trouvé un shampoing qui me fasse me dire waouh, super. Jamais. Pour moi, un shampoing, ça lave les cheveux et c'est tout. Autant je vois la différence avec les après-shampoings, autant je ne vois aucune différence avec les shampoings. Bon, bah, c'est moi, je sais pas. Mais pour moi, un shampoing, il lave et puis voilà, je vois pas ce qu'il apporte de plus ou de moins. C'est peut-être mes cheveux en même temps. Bon, bref. En tout cas, voilà. Donc, c'est un shampoing que j'ai plutôt apprécié, qui a une odeur super sympa. Mais après, non, je rachèterai pas.
j'achèterai pas plutôt. Alors, j'ai terminé donc le Rexona Woman Maximum Protection, le rose. Voilà, qui est un antitranspirant, donc 48 heures antitranspiration, pour les transpirations excessives. Donc voilà, c'est le déodorant que je préfère, le déodorant que j'ai découvert l'année dernière et que j'ai adoré, vraiment, super déodorant, moi je l'aime beaucoup, et oui, je rachèterai, voilà, je le rachèterai, obligé. Voilà pour tout ce qui est... Alors, simplement, tout ce qui est produits make-up et soins, je voulais vous parler de quelques bougies, même de plusieurs, je ne vous les ai pas montrées la dernière fois, donc je vais vous les montrer maintenant, les quelques bougies que j'ai terminées. Donc, j'ai terminé donc de la marque Candélite, ce sont les bougies que j'achète chez Babou, que j'achète généralement toujours chez Babou. Crémy Vanilla Swirl, voilà celle-ci qui est une bougie 3 mèches, qui était une bougie qui était sortie pour les fêtes, que j'ai beaucoup apprécié, très très bonne odeur de vanille, très bonne diffusion. J'ai terminé aussi la Soft Cotton Blanquette de chez Candlelight. Pareil, c'est une bougie aussi que j'achète chez Babou, toutes les Candlelight j'achète chez Babou. Super, super bougie, elle ressemble beaucoup à la... comment ça s'appelle, Soft Blanquette, donc de chez Yankee Candle en termes d'odeur. Très très bon produit, très bonne diffusion. Aussi les trois mèches sont très très bien. J'ai terminé aussi ma bougie préférée des fêtes. Hein, c'est la Jessie Black Cherry, toujours de chez Candlelight. Voilà, pareil, j'adore cette bougie. Hein, je l'ai même un peu partout en petit. J'ai terminé aussi donc la Fresh Bucket Cookies de chez, alors celle-ci n'est pas de chez Candlelight, c'est de chez Mainstay, je vais vous montrer le nom, voilà, et que je n'ai pas du tout aimé. Déjà je trouve que ça sentait terriblement la cannelle, ça sentait que ça, alors j'ai pas retrouvé l'odeur du cookie, enfin vous voyez ce que je veux dire, Fresh Bucket Cookies, ça veut dire quoi? Fraîchement cuisiné, non, quelque chose comme ça, enfin fraîchement cuit, l'odeur des, oui, non, bah j'ai pas du tout retrouvé cette odeur. J'ai trouvé que ça sentait extrêmement la cannelle, même si j'aime bien la cannelle, mais là c'était très très fort. Et puis voilà, donc non, je ne rachèterai pas par contre cette bougie. Et puis je voulais vous parler aussi, alors attendez, d'une petite bougie, oui, que j'avais trouvée chez Babou et que je voulais vous en parler au cas où vous tombiez dessus. C'est les bougies Choupa Choups. Voilà, des petites bougies comme ça. Donc celle-ci, c'était à l'orange. Et comment vous dire, les filles, si vous tombez sur ça, ne l'achetez pas, quoi. Voilà. Après, si vous voulez tester, testez-la. Elle m'a coûté 2,50€. Franchement, 2,50€ pour ça, c'est autant acheter, vous savez, une petite voltige ou une tartelette de chez Yankee Candle. Voilà, hein. Autant les grandes bougies de chez Candlelight valent vraiment le coup chez Babou. Mais ça, n'achetez pas ça si vous tombez dessus. Hein. C'est de la... Ça ne sert à rien, strictement à rien. Ça sent rien. Il n'y a que la boîte qui est jolie. D'ailleurs... Je vais la nettoyer et puis je vais la donner à ma fille pour qu'elle puisse s'en servir de petite boîte. Elle mettra des perles ou enfin ce qu'elle veut. Il n'y a que la boîte qui est jolie. Le reste, ne l'achetez pas. Ne gaspillez pas 2,50€ si vous tombez dessus, les filles. Hein. Surtout, ne gaspillez pas. Ça vaut vraiment pas le coup. J'ai terminé, donc je ne sais plus si c'était une voltige ou une tartelette, mais je pense que c'était une tartelette de chez Yankee Candle. A Child's Wish. Un souhait d'enfant, voilà celle-ci, je pense que ça devait être une tartelette que j'ai beaucoup beaucoup appréciée, hein, de toute façon, comme toutes les tartelettes ou les voltiges que j'achète chez Yankee Candle. Alors aussi de chez Yankee Candle, ça c'était une voltige, c'est la Soft Blanquette, voilà, que j'ai beaucoup beaucoup apprécié aussi et que oui, je rachèterai, puisque je rachète à chaque fois des petites voltiges chez, ou des tartelettes de chez Yankee Candle. Et j'ai terminé chez Yankee Candle aussi la Black Cherry, qui a été une tartelette que j'ai beaucoup aussi appréciée. Voilà les filles, mais écoutez, je vous ai présenté tout. Ah non, j'ai oublié de vous présenter un produit
que j'ai terminé. Donc c'est l'autre petit échantillon. J'avais deux échantillons de chez Caudalie. C'est la Vinosource crème sorbet hydratante. Je m'en servais donc comme crème de nuit. Donc c'est un échantillon de 10 ml. Donc pareil, pas de parabène, pas fait. Donc c'est un non, enfin rien quoi. Rien de pas de cochonnerie comme tous les produits de Caudalie et que j'ai beaucoup aimé et que non, je rachèterai pas, mais que. Enfin, que je rachèterai pas, enfin on sait jamais, mais voilà, c'est une très 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 bonne crème. Si vous avez l'occasion de la tester, n'hésitez pas. Très bonne crème, très bon. Moi qui ai la peau grasse, très bonne crème de nuit. Voilà, très bon produit. Voilà, cette fois-ci c'est terminé. J'ai fini, les filles, de vous présenter tous les petits produits que j'ai terminés ces derniers temps. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. J'y réponds toujours bien volontiers. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je serai encore habillée pareil, hein, puisque je tourne plusieurs vidéos. Plein de bisous, les filles.